Un spectacle par heure, voilà le rythme qui était imposé à cette journée des talents du Nord. Au total, 11 spectacles, tous genres confondus, théâtre, danse, one-man show, chant, chacun a eu l'occasion d'exprimer son talent sur une scène de prestige. Côté rotonde, on joue dans l'intimité. La compagnie L'Orange Bleu présente Le Poéticon, une pièce entièrement écrite et mise en scène par la troupe. Un bar de quartier avec ses personnages quelque peu surprenants. Les ivrognes côtoient les poètes, un cocktail explosif. Chacun raconte sa petite histoire et dévoile sa personnalité. Rires assurés pour les spectateurs. J'ai découvert que mon mari bourre. Comment ça? Tu ne t'en étais jamais aperçu? Non. Et comment tu l'as découvert? Eh ben, un soir! Oui. Eh ben, il est rentré à Jean! Des gens qu'on voit dans la rue. Et on est en train de monter le deuxième poétique. On observe beaucoup. Ouais. C'est ça, en fait. Mais ça fait partie du travail d'un comédien. C'est à la fois c'est un travail d'observation de gens autour de soi. C'est vrai qu'on a tous des moments où on se retourne sur quelqu'un qu'on croise dans une rue. Et on regarde, il y a une démarche, il y a une attitude, il y a une voix qu'on saisit. Cette pièce, jouée à l'occasion des Talents du Nord, était un extrait d'un plus long spectacle d'une heure 45. La prochaine représentation aura lieu le 18 janvier au restaurant d'application du lycée Chantilly à Calais, puis au Printemps des Poètes en mars prochain. Une sorte de vide dans la tête. Oh, parfois si. Vous mangez des nouilles creuses. Ouais.